Souvent, on peut trouver des signes qui nous indiquent que certains mammifères sont présents dans la forêt. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur le porc-épic d'Amérique et je voulais simplement vous montrer un indice qui nous indique qu'il y a ce mammifère dans cette forêt. Donc, si on regarde par terre, ce sont des morceaux d'écailles d'un cône. Donc, c'est un écureuil roux ou peut-être bien un tamis rayé qui a ouvert le cône pour aller chercher la graine qui se trouvait au milieu. Donc, souvent, si vous trouvez des petits morceaux d'écailles comme ça par terre, c'est souvent un écureuil qui a ouvert le cône. Donc, voici l'écureuil roux qui est très présent dans cette forêt. Et c'est probablement lui qui avait ouvert le cône que je viens de vous montrer, puisque c'est dans un arbre à proximité. Donc, l'écureuil roux. So, what we just saw was a squirrel, and there's also the chipmunk here. And as I was saying earlier, it's often hard to see mammals in the forest, but they often leave signs behind that reveal their presence. And this is parts of a cone that the squirrel opened to go eat the seed that was inside. So they always leave parts of the cone on the ground like that. So that's how you know that there are squirrels in that part of the forest.